Coucou tout le monde, donc c'est la maman de Luna. Je n'ai plus de voix et je me suis dit, vu dans l'état que je suis complètement malade. J'ai rendez-vous chez le médecin cet après-midi et du coup je me suis dit je vais profiter de mon état pour faire le Yes Man Challenge à Luna. Voilà, je vais prendre ma revanche. Donc, j'espère que la vidéo vous plaira. Donc du coup je vais l'appeler et puis je vais la prévenir. Je vous laisse avec le générique. Luna, ma foi. Luna, viens voir. Là voilà, Luna. Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on fait le Yes Man Challenge. Ouais. Où je prends ma revanche. Ah non. T'as pas le droit de dire non, tu dois dire oui à tout ce que je te dis. Oui. Mais j'espère qu'il n'y a pas des choses trop compliquées. Ah ça, tu verras bien. Alors Luna, ça te fait plaisir que maman prenne sa revanche? Oui. C'était pas un oui très, très expressif ça. Mais bon, tant pis. Du coup, pour ton premier défi, tu vas devoir aller me préparer un chocolat chaud dans ma nouvelle tasse Disney. C'est quoi déjà? Ah oui. Avec des petits chamallows. Alors bien sûr un chocolat chaud, mais je veux un chocolat chaud bien chaud quoi. Maman elle en a un peu bizarre parce que moi déjà ça me brûle, elle dit que c'est froid. Ça me brûle de doigts, mais elle dit que c'est froid. Non, moi je préfère les chocolats chauds, vraiment bien chauds. Donc comme je vous le disais, désolée encore pour ma voix. Elle est malade. Mais j'ai perdu ma voix en fait. Moi je commence un peu aussi. À mon avis, ça devait être à Disneyland, j'ai dû perdre ma voix, j'ai trop crié dans les manèges, je sais pas, mais plus ça coûte froid, donc voilà. Du coup, Luna, tu vas me préparer un chocolat chaud? Oui. C'est parti. Allez, go. Go. Vas-y, tu peux le poser là. Et Maëlle, en plus, il me plaît. Merci. Ça a l'air bien bon, tout ça. Je t'ai plein de chamallows. Oui. Hein. Chamallows. Et Maëlle, il croit qu'il va le manger, lui. C'est pour lui. Non, c'est pour maman. Maman. Donc, pour le moment, si tu veux déjeuner, tu peux déjeuner. Mmh. Et puis après, on passera au deuxième défi de la journée. Oui. Donc là, j'ai fini de faire ma sieste, je suis en train de leur faire à manger et je viens de remarquer que c'était le bazar. Donc regardez-moi tout le bazar ici. Bah ça, il se range pas. Là, le bazar et le bazar. Donc Luna, tu as pour mission non. De ranger tout le bazar. Allez, go, c'est parti. Oui. Mais par contre, je range pas les saucisses et ça parce que... Bah non, ça c'est ce que j'utilise. Le thon, il faut le ranger. C'est à peu près bien rangé, on va dire. Là, ouais, il y a la vaisselle à faire après parce qu'on n'a pas encore fini de manger. Ça a l'air d'être rangé, la vaisselle est rangée. Donc ici, il reste que les assiettes dans lesquelles je vais servir le repas. Le gruyère. Voilà. Et les gnocchis.
les saucisses. Donc du coup, bah là, on va manger. Et on va regarder en même temps Harry Potter. Voilà. Et après, c'est le prochain défi. Mais c'est maman qui a dit qu'on mettait Harry Potter en mangeant. Voilà. Et en plus, je le dis à toi, alors. On va manger ? Oui. Tu fais la vaisselle ? Oui. Eh ben, j'ai même pas eu besoin de te demander, alors. Par contre, tu as oublié de vider les assiettes. Les assiettes sont là, elles ne sont pas vidées. Bon, déjà, elle a fait la vaisselle toute seule. C'est déjà bien. Ah, franchement, ma voix, c'est vraiment horrible. J'espère que je vais la récupérer bientôt. Je ne sais pas si vous avez déjà eu la voix cassée, hein, dans les commentaires. Ouais, parce que franchement... Et dites-moi si ça a été dur ou pas très dur. Donc là, je suis revenue de chez le médecin. Luna a pris sa douche en attendant. Apparemment, ma voix, j'en ai pour une semaine. Trop bien. Et du coup, je suis passée chercher des pains au chocolat pour les enfants pour le goûter. Et une galette des rois pour le 31. Voilà, une galette des rois pour le mois de janvier, pour l'épiphanie. Et en plus, mon anniversaire, c'est le 15 janvier. Voilà. Donc du coup, la Luna va goûter. Et après, elle va devoir passer l'aspirateur. Yes. Voilà. On se retrouve après. Tu as un dernier défi à faire pour ce soir. Tu vas devoir aller étendre mon linge. Oui. Bah allez, c'est parti. Donc voilà, Luna aujourd'hui elle fait toutes les tâches ménagères que les mamans, que les papas font. Et dites-moi si vous voulez que maman refasse aussi, que je refasse un Yes Man Challenge où je dois dire oui à tout ce que ma maman prenne. Voilà. Ça pourrait être très simple. Donc hein, n'oubliez pas, soyez indulgents pour ma voix, ne vous moquez pas, parce que c'est vraiment pas... C'est très marrant pour ta voix. C'est compliqué de récupérer une voix. On m'a dit que j'en avais pour une semaine, voire plus. Mais bon, quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. En tout cas, j'espère que Luna, avec ce Yes Man Challenge, a pu se rendre compte de tout ce que les mamans font dans la journée. Et que je ferai plus tard. Voilà, le travail que tu devras faire plus tard. Avant de ce qu'ils doivent faire en enfance pour faire quand ils sont adultes. Voilà. Moi, ma maman, je l'aidais quand j'étais petite et elle me demandait pas. Je venais la voir, je lui demandais ce qu'il y avait à faire et puis voilà. Et je l'aidais. Donc c'est bien que les enfants aident leurs parents. Parce que quand on est papa et maman, ben c'est pas tous les jours facile. On a aussi notre travail à côté. Bon, je te laisse terminer et puis on se retrouve après. J'ai fini en fait là. Bon alors Luna, cette journée dans la peau de ta maman. Ah, c'est pas évident hein, de faire tout ça. Moi, t'imagines le boulot que j'ai moi tous les jours. Moi je... C'est beaucoup hein. Tu n'as pas de train parent. Et ben malheureusement, tu vas être obligée un jour d'être une adulte, même si t'es pas un parent, si tu vis seule plus tard, tu seras obligée de faire les tâches ménagères. Et donc voilà, la vidéo est terminée. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, des commentaires. Et si la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Bisous, bisous, ciao, ciao!